heureux de vous retrouver, fans de Démolition, pour un nouvel épisode de Hot Wheels Monster Trucks sur les terres des héros, tous prêts pour Camp Crush. Les Monster Trucks sont de retour au pays des dinosaures, au Dino Rally de Megavrex. Voici nos trois demi-finalistes, Megavrex, Race Ace et Five Alarm. Ils sont prêts pour notre quatrième manche, le défi des trois champions. Qui emportera? Et qui sera voué à l'extinction? En plus, ces pièges préhistoriques ne sont qu'un aperçu de ce que les Monster Trucks devront affronter s'ils parviennent à atteindre le Camp Crush. Bienvenue dans Hot Wheels, sur les terres des héros, tous prêts pour Camp Crush. Mes adversaires n'ont pas la moindre chance de me battre dans une course préhistorique. Je suis un dinosaure. Quatrième manche. Megavrex contre Race Ace contre Five Alarm. Le dernier arrivé sera éliminé. Ouais! Les dinosaures sont partis, mais ils ont laissé de belles empreintes sur leur chemin. Rien de tel qu'une empreinte pour prendre de l'élan ou pour bloquer Megavrex. Il faut que je reste concentré et que j'évite tous ces cratères. 3, 2, 1, Hot Wheels! Un éboulement! Ces dinosaures ont dû déclencher un glissement de terrain! Trois devant! Il faut tracer! Tout doux! On évite les rochers et on tourne! Oh! C'est pas passé loin! Allez, j'y suis presque! Wow, wow, wow! Wow! On peut revoir ça au ralenti? Ça alors, on dirait bien que Race Ace est hors course. Megavrex et Five Alarm échappent au rocher pour passer la ligne d'arrivée. Allons prendre des nouvelles des Monster Trucks éliminés. Bone Shaker a-t-il déterré de nouveaux fossiles? Tout va comme tu veux. Déterrer des fossiles, c'est facile. Il suffit de tout retourner à la fureur du moteur. Alors ça me plaît. Personne ne peut rivaliser avec le plus grand des carnivores. Je suis là pour gagner. Dernière manche. Five Alarm contre Megavrex. On dirait que les ptérodactyles ont décidé de se joindre à nous. Des fientes de dinosaures? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas obligés de nous bombarder. Regarde où tu roules. Qui remportera la course finale? Le camion de pompiers concentré ou le dinosaure déterminé? 3, 2, 1, Hot Wheels! Ouais! Déluge de fientes préhistoriques sur la piste! Les Monster Trucks arriveront-ils à rester au sec? Ouais! Megavrex prend une sacrée saucée, mais parvient malgré tout à rester sur ses roues! Il colle au pare-choc de Five Alarm! En plein dans le mille pour les ptérodactyles, Megavrex est couvert de fientes et immobilisé dans le cratère. Five Alarm en profite pour lui arracher la victoire. Oh ouais! C'est quoi cette arnaque? Les dinosaures devaient m'aider à gagner et non me bloquer. Même quand vos concurrents sont prêts à tout pour gagner, il faut apprendre à garder la tête froide. Génial, un fossile! Je vous préviens, c'est le mien. C'est quoi ce truc? Il me rappelle un peu quelqu'un. Qu'est-ce que vous regardez? C'est Megavrex! Le sang-froid et la concentration de Five Alarm lui ont permis de triompher des dinosaures et de décrocher une victoire cruciale avant le Camp Crush. Je vais fêter ça à la station explosive. Je me suis bien concentré et il est temps de me vider la tête. Chaud devant! Chaud devant! Après une dure journée de compétition et de provocation, les Monster Trucks aiment se retrouver à la station explosive pour s'adonner à leur passion commune, la destruction. Regardez ça! Je vais vous montrer qui sera le meilleur Monster Truck à Camp Crush. Ces Monster Trucks s'entraînent sans relâche pour leur défi suivant. Lequel d'entre eux parviendra à prouver qu'il est digne de participer à Camp Crush? Bienvenue à Camp Crush! Plus de 150 km de terrain hostile, de cascades à couper le souffle et d'obstacles démentiels!
Ceci est le premier pas vers la victoire de la compétition ultime. J'ai nommé la Coupe des Champions. Cette coupe est à moi. Pas si je suis de la partie. Défi accepté. Gagnez 3 badges avant la fin de l'été et vous serez qualifié pour la Coupe des Champions. 3 badges? Ha, trop facile. Ça, c'est ce que tu crois. Gare à la mâchoire. Oh. Cet été, vous aurez 3 défis destructeurs pour gagner des badges. Défi numéro 1, la bataille de peinture. L'objectif, repeindre vos adversaires. Le dernier qui reste propre a gagné. Alors, qu'est-ce que vous attendez? 3, 2, 1, Hot Wheels! En fait, ça veut dire du balai. Sortez! C'est l'heure de la bataille de peinture. Pour obtenir ces badges, il faut du style, de l'intelligence et enfin de la destruction. C'est parti! À vos marques! Prêt? Peignez! Et voilà l'été! Enfin, j'étais enfermé dans le garage tout l'hiver. J'ai hâte de leur mettre un petit coup de peinture. Pas si vite, Rayface! Je suis fait pour aller vite. Plein gaz! Dans le mille! Tu pourras pas m'échapper! Défi accepté! Figures incroyables et ce style de folie, le badge d'artiste redoutable est attribué à Race Ace. Je suis le meilleur. T'as parlé trop vite, Race Ace. Quelqu'un peut m'aider? J'adore les batailles de peinture. Bon, même si je n'en ai jamais gagné, mais cette fois, ce sera différent. J'ai un tout nouveau plan. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu de patience. À la fureur du moteur! Bravo! Allez, les Hot Wheels! Ouais! Oh ouais! Mon plan a fonctionné! Je vais gagner! Je suis un génie! Comme sur des roulettes! Attention, Bigfoot! J'arrive! Bah, t'es passé où? Oh, te voilà! Cette fois, j'arrive! Pour gagner, il faut savoir maîtriser l'art de l'illusion. Et je suis Bigfoot, le roi incontesté de l'illusion. Hey! Mais où est-ce que tu es? J'ai failli l'avoir. Essaie encore! Kim Crush, c'est génial! Je peux tout casser, tout écrabouiller. Oh, et même tout percuter, ça me plaît! J'adore cet endroit! Fureur et gros diamant! Et c'est donc Megavrex qui obtient le badge de destruction suprême! Oh, quel carnage! Cet été est placé sous le signe de la destruction. Alors franchement, que demander de plus? Hein? Quelle bataille! Gangster, t'as repeint! Oh
la bataille de peinture. Ça me revient. Le badge de la victoire est fait pour moi. Plus qu'un seul concurrent. Te voilà, Bigfoot. Sors de ta cachette, allez, montre-toi. Gangster va te repeindre, vieux débris. Pardon, j'ai pas entendu. Tu disais quoi? Gangster, c'est fait repeindre. Bon, je crois qu'on peut dire que je suis vraiment doué. Très bien, venez par ici. Bravo, vous vous êtes bien battu. Mais c'est Bigfoot qui remporte cette bataille de peinture! Bravo! Allez, les Hot Wheels! Oh, ouais! Et maintenant, jetons un œil à vos résultats! Ceux qui n'ont pas encore de badge ont intérêt à se remuer les pneus, parce qu'il ne reste que deux épreuves! Demain, vous vous affronterez dans l'arène de la cible infernale! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Wheels Monster Trucks sur les terres des héros! Tous prêts pour Kem Crush. Ici au Dino Rallye de Megabrex, des monstres préhistoriques se mesurent à des Monster Trucks des temps modernes. Rien n'arrête un dinosaure. Vous allez regretter d'être venu. Les Monster Trucks vont s'affronter dans une course de descente pour déterminer s'ils sont dignes d'atteindre le Kem Crush ou s'ils sont voués à l'extinction. Ça va grogner, et ça va foncer, ça va croquer, et ça va s'écraser. Tous mes petits copains les dinosaures ne feront qu'une seule bouchée de vous. Cette piste ne fait pas de cadeaux. Elle est cruelle et dangereuse. Ça sent l'extinction massive. Quelqu'un souhaite dire un dernier mot? Défi accepté. Regardez Hot Wheels sur les terres des héros. Tous prêts pour Kem Crush. Fureur et grognement. Parfait. Des dinosaures ont décidé de piétiner la piste. Je sens qu'on va bien s'amuser. Première manche. Megabrex contre Gangster. Déchez-moi ici, Gangster. Si tu ne fais pas attention à ton coffre, tu vas finir dans une fosse à goudron. Ça tombe bien, je n'ai pas de coffre. Je te laisse découvrir la piste du Trias. Seuls les Monster Trucks les plus féroces peuvent survivre ici. 3, 2, 1, en quiz. Bien joué. Une seconde de plus et il se faisait aplatir. Megabrex heurte un os de dinosaure et fait un soleil. C'est un dino salto. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter ce Monster Truck. Megabrex remporte la course. Il a prouvé au dinosaure qu'il avait sa place ici. Voyons ce qui est arrivé à Gangster. Qui a laissé traîner des œufs? Gangster fonce tête la première dans des œufs de dinosaure. Vous connaissez l'expression, on ne peut pas gagner de course sans s'écraser dans quelques œufs. Megabrex glisse jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais! Allez, mon pote, on fait un check!
Mega Vrex a vaincu Gunster et se qualifie pour la manche suivante. Fureur et grognement. Deuxième manche. Démo Derby contre Race Ace. Ces dinos n'ont pas intérêt à se mettre en travers de mon chemin. Moins de blabla et plus de dégâts. 3, 2, 1, en plus. Démo Derby fait du hors-piste et tente de passer sur la tête du T-Rex. Mais elle rate sa réception et part en tonneau. Race Ace esquive les obstacles et atteint la ligne d'arrivée le premier. Il se qualifie pour la suite. Là, j'ai touché le fond. Ça a l'air super collant. Démo Derby a trop de chance. J'ai trébuché sur ce fossile débile. Maintenant, je vais devoir me rincer avant ma prochaine course. Gagner, c'est vraiment mon truc. On aura droit à un combat entre rapidité et férocité quand Race Ace affrontera Mega Vrex tout à l'heure en demi-finale. Découvrons tout de suite qui sera leur adversaire. Troisième manche. Five Alarm contre Bone Shaker. Concentre-toi. Slalom entre les pattes. 3, 2, 1, en plus! Ils foncent tout droit vers les pattes du dinosaure. Parviendront-ils à les éviter? Concentre-toi et fonce! Hé, fais gaffe, toi! Aïe, 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 Bone Shaker prend un coup de pied dans le radiateur. Et Five Alarm décroche la dernière place en demi-finale. Ce parcours était trop chaud pour toi, Bone Shaker, hein? Où est-ce qu'il est passé? Je l'aurai la prochaine fois. Oups! Je suis sûr qu'il n'a rien. Wow, fossile! La classe! Je me demande s'il y en a d'autres. Je vais m'entraîner un peu à la station explosive, histoire d'être prêt pour le Chem Crush. Je veux être sûr de démolir tout ce qui se trouvera en travers de mon chemin. Gya la mâchoire! Gya! Il faut que je recommence. Joli saut, Tiger Shark! Tu savais que le meilleur moyen de déterrer des fossiles, c'était de foncer dans la terre? Chaud devant! Trois Monster Trucks se sont qualifiés pour la suite. Mais qui remportera la victoire et partira favori à Chem Crush? Quelle journée préhisto-épique! Gunster a essayé de faire une omelette. Race Ace a repeint la carrosserie de Démo Derby. Et Five Alarm a transformé Bone Shaker en fossile. Les Monster Trucks qui ont survécu vont devoir en découdre pour prouver qu'ils sont dignes de participer à Chem Crush. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de... Nos Monster Trucks ont survécu au premier défi destructeur, la redoutable bataille de peinture, avec une victoire écrasante de Bigfoot. Mais ceci n'était qu'un petit échauffement comparé à ce qui attend nos compétiteurs qui vont maintenant devoir s'affronter dans un véritable choc de pare-choc. C'est parti! Préparez-vous, ça va choper! Ouais. Bien! Écoutez-moi, c'est l'heure du deuxième défi destructeur qui, je vous le rappelle, vous permettra peut-être de participer à la Coupe des Champions. Admirez! Lors de ce duel, vous devrez vous propulser dans les airs à l'aide des rampes afin de vous percuter en plein vol! Voyons voir qui sera capable de maîtriser l'atterrissage après avoir dominé son adversaire. Défi accepté! Gangster adore! Mais ce n'est pas tout! Il ne s'agit pas d'un simple affrontement dans les airs. Il y a également une cible et vous devrez tomber au plus proche du centre pour obtenir un badge. Chaud devant! J'espère que cette cible résiste à la chaleur. Et moi, j'espère que vous avez vos roues de secours. Tout est une question de précision et de technique. C'est l'heure de rouler! J'adore prendre de l'élan et sauter pour attaquer ma proie. Regardez-moi bien, je suis le plus grand prédateur. Le premier duel s'annonce dévastateur. Race Ace contre Gunster.
Gangster va te cibler, tas de ferraille. Défi accepté. Enfin, avec toi comme adversaire, ce n'est pas ce que j'appelle un défi. À vos marques. Prêt. Visez. Jette à moi! Et non! Raté, ta ferraille! Non! Alors ça, c'est ce que j'appelle de la précision! Raceys remporte le premier badge! Eh ouais! Revoyons les images au ralenti grâce à la caméra! Les deux camions se sont envolés, jusqu'ici rien d'exceptionnel! Mais Raceys a fait un incroyable 360 qui lui a permis de prendre le dessus en envoyant Gunster dans le décor. J'ai besoin d'aide. Et maintenant, place au prochain duel. Un prédateur face à une légende. Tiger Shark contre Bigfoot en piste. Je vais vous confier un secret, je suis Bigfoot. Normalement, c'est au sol que je suis le meilleur, pas dans les airs. Mais à looping, ça ne se refuse pas. À vos marques. Prêt. Visez. Gare à la mâchoire. Oh oh oh. Décidément, c'est un prédateur des terres, des mers et des airs. Le deuxième badge est remporté par Tiger Shark. Wouhou! Jetons un œil au ralenti pour revoir son coup spécial, la mâchoire enragée. On peut voir les étincelles de la collision entre ces deux méga-moteurs. Tiger Shark s'est servi de ses mâchoires acérées pour vaincre Bigfoot et atterrir sur la cible. Regardons maintenant le classement pour voir qui est en tête et qui ferait mieux de mettre le pied au plancher pour obtenir des badges de destruction. Grâce à leur victoire, Raceys et Tiger Shark remportent un badge et se rapprochent donc un peu plus de la Coupe des Champions. Bon, revenons à nos moteurs. Demo Derby, Mega Break, à vous de jouer. C'était censé me faire peur. Fais un effort. C'est vrai que c'est un costaud, ce petit Brex, mais là, c'est l'intelligence qui compte, pas la force. Ouais! À moi le badge! Plein gaz, call me! En plein dans le mille, elle nous avait prévenu. Demo Derby s'empare du troisième badge et obtient un badge bonus pour cet atterrissage parfait. Qui peut mieux faire? Après la tornade infernale de Demo Derby, on peut dire que Megavrex est en Megavrac. Regardez cet angle parfait. Demo Derby a violemment percuté notre dino. Et je crois bien qu'elle l'a fait redescendre sur Terre. À l'heure actuelle, la seule chose que Megavrex a écrasé, c'est cet arbre. Même destin. Un peu d'action, ça vous dit? Ouais. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui va perdre contre Bone Shaker? Toi. Je crois que tu t'enflammes un peu trop. On va régler ça. 3, 2, 1, Hot Wheels! Chaud de vent! À la fureur du moteur! À la fureur du moteur! Wow! On est dans le feu de l'action! Bone Shaker est sur le point d'atterrir au milieu! J'ai pas dit mon dernier mot! Et c'est Bone Shaker qui remporte le quatrième badge. Attends un peu avant de retourner dans ta caserne, Five Alarm. Ce coup de canon à eau,
C'est exactement le genre de créativité destructrice qu'on veut dans la Coupe des Champions. Tu remportes donc un badge bonus grâce à ton style. Wow! J'ai peut-être pas atteint la cible, mais en tout cas, j'ai bien inondé la carrosserie de Bone Shaker. Le défi de la cible infernale touche à sa fin. Voyons un peu où en est notre classement. Race Ace, Bone Shaker et Demo Derby sont en tête. Mais il y a encore de la destruction à l'horizon. Soyez prêts pour le dernier défi de Crème Crush, la capture du drapeau. Demain, nous verrons qui a les roues assez solides pour venir à bout de la station explosive. Accrochez-vous, les amis, parce que ce défi s'annonce très mouvementé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Wheels Monster Trucks sur les terres des héros, tous prêts pour Camp Crush. Dans l'épisode précédent, les Monster Trucks ont été martyrisés par la boule de démolition dans la case de Demo Derby. Maintenant qu'ils ont appris à connaître cet énorme obstacle dévastateur, parviendront-ils à atteindre la ligne d'arrivée? Découvrons-le ensemble dans Hot Wheels sur les terres des héros, tous prêts pour Camp Crush. Je vous avais prévenu, ma case est truffée de surprises. Restez vigilants ou vous finirez en épave avant même d'atteindre le Camp Crush. Avoir été maltraité par la boule de démolition n'a pas démoli la motivation des Monster Trucks qui espèrent encore décrocher une victoire et devenir le grand favori. Le prochain à se mesurer à la boule n'est autre que... Ça va glisser! Dunkster! Cette grosse boule ne me fait pas peur. J'espère qu'elle aime tout ce qui est visqueux. On dirait que ce Monster Truck a une idée derrière le capot. Je te préviens tout de suite, la boule, ça va glisser. Est-ce que la ruse de Gangster lui permettra de venir à bout de cette boule imbattable? Personne n'a encore atteint la ligne d'arrivée. Gangster sera-t-il le premier à forcer un passage? 3, 2, 1, en plus! Attention, je passe! Ce supplément de viscosité permet à Gangster de se frayer un chemin à travers les barils. Gangster a glissé! Mais réussira-t-il à se glisser jusqu'à la ligne d'arrivée? Oh! Au lieu de glisser, il a bien réussi à la coller! J'ai besoin d'un peu d'aide! Peut-être que son plan était un peu trop collant. À qui le tour? Je plaisante pas! J'ai vraiment besoin d'aide! S'il vous plaît! On va changer un peu les règles du jeu. Je suis chez moi, après tout. J'ai envie d'essayer une autre approche! 3, 2, 1, up please! Boum! Boum! J'adore faire du hors-piste! Attention les pneus! Petite impulsion sur le muret! Cet électron libre trace sa propre route pour tenter d'éviter la boule de démolition et atteindre l'arrivée! Personne ne l'avait vu venir! Sauf la boule de démolition, on dirait! Wow! Attaque surprise! Demo Derby n'a pas intérêt à nous jouer un mauvais tour parce qu'on est dans sa case. J'espère qu'elle n'est pas de mèche avec la boule de démolition pour nous battre. Où est-elle passée, d'ailleurs? Et avec ce double KO, la boule de démolition reste invaincue. Non, c'est bon, elle ne triche pas. Voyons si Five Alarm parvient à passer. Five Alarm! C'est un peu une urgence, donc je vais utiliser la rampe d'accès des pompiers pour passer cette boule de démolition. Wow! Il faut que je surveille ces grues. 3, 2, 1, up wheels! Ça va chauffer! Five Alarm évite de justesse les attaques des grues de la casse. Mais la rampe d'accès d'urgence n'est pas assez raide pour servir de tremplin. Elle finit sa course dans le fossé. Cette rampe était un peu trop sécurisée à mon goût. Il faut que je réessaye. Réception, Five Alarm. Les autres s'entraînent en attendant de se mesurer à la boule de démolition. Le dernier à pouvoir l'affronter est aussi la légende par qui tout a commencé, Bigfoot. Je vais montrer à tous ces amateurs comment les pros gèrent les obstacles. Ça va se jouer entre nous deux, la boule. Toutes les leçons que tu as données à mes camarades m'ont préparé pour le face-à-face qui nous attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il ne démarre pas? On dirait qu'il observe. Il attend quoi? J'y suis presque. C'est une question de timing.
Attention, Shive! Bigfoot s'élance dans les airs. La légende vivante prend son envol. Et il esquive la boule de démolition. Bigfoot passe la ligne d'arrivée. On revoit les images. Il a attendu le meilleur moment pour s'élancer et éviter la boule. Bien joué. Allez, les Hot Wheels. Bigfoot l'emporte. Wouhou! Je vais tous les écraser. Bigfoot a compris que la patience et le timing étaient plus importants que la puissance du moteur. Il fera partie des favoris de Camp Crush. Le secret, c'était la patience et le timing? C'est trop facile. Elle n'était pas si terrible, cette boule de démolition. Aïe! En tout cas, elle est assez terrible pour te mettre KO. Oh, Racist! Bigfoot remporte cette manche. Mais les Monster Trucks n'ont pas dit leur dernier mot et retournent à la station explosive en attendant la prochaine course. Wow! Je vais les écraser! Qui d'autre parmi ces Monster Trucks prouvera qu'il est prêt à rejoindre le Camp Crush? Découvrez-le dans le prochain épisode de... Chers Monster Trucks, bienvenue à la station explosive! J'espère que vous êtes prêts, parce que cet endroit est la définition même de la destruction! Wow! Je n'imagine même pas les dégâts. La première équipe qui parvient à récupérer le drapeau remportera le badge de la victoire. Hein? Quel drapeau? Ce drapeau. Wow! Quoi? C'est tout? Cette station explosive ne me fait pas peur. Je vais tous les écraser! Celui qui offrira la victoire à son équipe gagnera non pas un, mais deux badges! D'ailleurs, jetons un petit coup d'œil au classement! Nos Monster Trucks sont au coude à coude! Ce défi va être décisif! Je suis prêt! Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre la Coupe des Champions! Vous pouvez me croire, j'attraperai ce drapeau coûte que coûte! Même si je dois y laisser la fureur de mon moteur! Alors, voici nos deux équipes. L'équipe rouge, Race Ace, Demo Derby, Bone Shaker et Tiger Shark! Contre l'équipe bleue, Megavrex, Bigfoot, Five Alarm et Gangster! Cette victoire, elle est pour nous, les bleus! Fureur et grognement! Bonne chance à tous! Bravo Marc! Prêt? Foncez! Je vais te renvoyer à l'âge de pierre, Megavrex! Hors de mon chemin! On y va! La gare! C'est donc ça, l'âge de pierre? Oh, plutôt sympa. C'est parti! Ouais! Wow! Hein? Je suis entraîné tout l'été pour la capture du drapeau. Non seulement il faut être rapide, mais il faut aussi être prêt à relever tous les défis. J'arrive! Oh oh! Hé hey, champion, je vais te donner un petit coup de boost! Je m'occupe de nous faire gagner des badges! Eh, hey, mais c'est mon garage que je vois là-bas!
êtes un simple piège à fumée qui va m'empêcher d'atteindre ce drapeau, vous êtes à côté de la plaque. L'heure est venue de remporter ce défi. Hey, Tiger Shark! Toc, toc! Qui est là? C'est la fumée! Ça, c'est ce qui s'appelle partir en fumée! Je trouve que ma blague était très drôle. Et tu as tout à fait raison! C'est pourquoi tu remportes le badge du roi de l'humour! Génial! Je vais gagner! Comment t'es arrivé là? Depuis le temps, tu devrais savoir que rien ne peut m'arrêter! Qu'est-ce que tu disais déjà? Ouais! Drapeau en vue! Personne à l'horizon! À ce moment-là, je me suis dit j'ai gagné! Il n'y a plus rien qui peut m'en empêcher! Mais après, je me suis rappelé que j'étais dans la même équipe que Gungster. Ces badges sont à moi! Gungster, t'as coincé! Gungster, on est dans la même équipe, toi et moi! Oh, désolé! Il faut prendre le drapeau! Ah oui, le drapeau! Génial! Wouhou! Merci pour le pont! Qu'est-ce qu'il fait? Gare à la mâchoire! Quoi? Il l'a fait! Tiger Shark permet à toute son équipe de remporter un badge! Et c'est donc à lui que revient le badge bonus! Ouais! Super! Bien joué, Tiger Shark! Au fait, où est Raceace? Regarde ça, on vous a battu! Oh non! Oh, bon, d'accord, félicitations! Bravo à tous! Vous avez survécu à Kem Crush! De justesse, c'est l'heure de faire le bilan! Et voilà, nous connaissons enfin le nom des Monster Trucks qualifiés pour la Coupe des Champions! Race Ace, Demo Derby, Bone Shaker et Tiger Shark! Ouais! Vous êtes sur la bonne route! La Coupe des Champions n'est plus très loin! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Wheels Monster Trucks sur les terres des héros, tous prêts pour Kem Crush! Aujourd'hui, les Monster Trucks vont s'affronter dans la casse de Demo Derby pour prouver qu'ils sont de vrais champions, à moins qu'ils ne finissent broyés! La casse de Demo Derby est remplie d'obstacles à franchir et d'ennemis à éviter pour préparer nos Monster Trucks avant le Kem Crush. De redoutables dangers, des tours impressionnantes, des fosses périlleuses. Et je vous ai parlé de la boule de démolition. C'est parti! On est chez moi maintenant. Chaos et destruction, voitures broyées et rêves brisés. Quel Monster Truck aura ce qu'il faut pour atteindre le Kem Crush? Je vous attends! Bienvenue dans Hot Wheels, sur les terres des héros! Tous prêts pour Kem Crush! Rien de tel que de jouer à domicile pour avoir l'avantage. Bienvenue dans ma casse!
Bonne chance à tous. Vous en aurez bien besoin. Tant qu'il y a une ligne d'arrivée, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Race Ace, votre mission du jour, survivre à la descente, sauter par-dessus la fosse et atterrir de l'autre côté en esquivant la boule de démolition, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien. Le premier Monster Truck à franchir la ligne d'arrivée l'emportera. C'est tout? Un petit saut de rien du tout? Écartez-vous à la fureur du moteur! 3, 2, 1, en plus! Les Monster Trucks dévalent la pente à toute allure en espérant décrocher la première place. Impossible de savoir qui l'emportera. Oh non, moi! Bigfoot et Five Alarm enchaînent les tonneaux, mais parviennent à garder leur trajectoire. Wow! La boule de démolition surgit de nulle part et emporte Race Ace. Oh! Il s'écrase en plein dans une pile d'épaves. Mais la boule de démolition n'a pas dit son dernier mot. Shaker démolit le mur de briques et se retrouve propulsé jusqu'à la station explosive. Comment? Ce n'est pas tout? Wow! Fais attention! Ah! Oh! Démon Derby joue au chamboule-tout avec un tas de pneus! Hé! Hey, normalement, c'est moi qui décide quand j'ai envie de me jeter dans un tas de pneus. Du côté de la station explosive, les Monster Trucks se défoulent pour évacuer leur frustration, en attendant de pouvoir retenter leur chance sur la piste. Je doute que ça les calme. Hé, Demo Derby, on fait une fête à la station explosive? Allez, Bigfoot, fonce dans le tas! Ouais! D'accord, vous allez voir! Bigfoot a démoli la station explosive. Regardez ces petites voitures qui volent. Peut-être qu'il arrivera à bout de cette descente. Elle m'énerve, cette fichue boule! Vous allez voir, je vais la démolir vite fait! Je vais la démolir! Je vais la démolir! Wow! Un Megadrax chauffé à bloc a mis Boneshaker KO. On dirait qu'ils ont hâte de pouvoir se mesurer une nouvelle fois à la boule de démolition! Non mais ça va pas! Je vais la démolir! Je vais la démolir, cette boule de démolition! Fureur et grognement! Je vais lui envoyer tous les débris qui sont tombés sur la piste pour qu'elle ait autre chose à se mettre sous la dent. Ah-ha! 3, 2, 1, en plus! Fureur et grognement! Megadrax fait tomber toujours plus de débris et de pneus en dévalant la pente pour distraire la boule de démolition. Ce n'est pas une boule, mais un astéroïde de démolition qui a exterminé ce dinosaure. Megadrax est projeté dans les airs avec tous ses débris. Le score reste inchangé. Monster Trucks, 0. Boule de démolition, beaucoup. Circuler, y a rien à voir. Je ne suis qu'une petite boule de démolition. Tiger Shark espère tromper la vigilance de l'ennemi en se déguisant. Une approche stratégique pour ce grand prédateur. Est-ce que sa ruse suffira à duper la boule? On va le savoir très vite. Le prédateur va attaquer. Gare à la mâchoire! Oh oh! Megadrax a laissé traîner des débris sur la piste. 3, 2, 1, en plus! Allez! La boule de démolition tigre défonce tout sur son passage. Franchement, comment elle a fait pour me reconnaître avec mon déguisement? Un coup brutal qui envoie Tiger Shark dans les airs! On s'est bien entraîné à la station explosive! On arrivera peut-être à vaincre cette fichue boule! Quelqu'un a vu Tiger Shark? Ouh! Du popcorn! Oh non! On dirait bien que cette boule de démolition a démoli la compétition sur la pente de Demo Derby! Ah, essayez de le répéter 10 fois de suite! Comment nos Monster Trucks vont-ils s'en sortir? L'un d'eux parviendra-t-il à battre la boule de démolition ou va-t-elle briser leur rêve pour de bon? Découvrez-le dans le prochain épisode de Hot Wheels sur les terres des héros! Nos meilleurs moments, on les passe! Oh!